m'appelle Carole et je suis thérapeute spécialisée dans la reprogrammation du subconscient selon la méthode d'Ariane Lev. Aujourd'hui, nous voulons aborder le sujet de la dépression. Certains prétendent que la dépression est l'épidémie de notre ère, cette épidémie qui se répand dans la société occidentale et dont beaucoup d'entre nous en souffrent. Ariane Lev nous explique ce phénomène d'un point de vue holistique et elle nous dit qu'il existe dans l'univers deux sortes d'énergie, l'énergie de la lumière et l'énergie de l'ombre. Une personne souffrant de crise d'anxiété ou de dépression est en fait une personne qui se trouve sous l'emprise d'énergie négative et elle attire alors à elle des événements, des situations, des personnes qui correspondent à son système de croyance. Lorsqu'une personne a une pensée positive, croit en elle-même et en l'univers, elle attire à elle des énergies, de l'énergie de la lumière. Elle est alors capable de vivre une vie de joie, de bien-être, de satisfaction. Ariane Lev nous dit que nous choisissons l'énergie qui coule à travers nous, conformément à nos convictions, mais aussi à la croyance racine, suite à laquelle tout notre système de croyance a été programmé. Car aujourd'hui, nous savons qu'il existe une croyance racine qui est la base de toutes nos croyances négatives. Alors pourquoi est-il si difficile d'être dans la lumière et d'y rester? Selon l'article d'Ariane Lev, il existe plusieurs facteurs. L'un des premiers facteurs est le facteur familial. Certains d'entre nous viennent de générations de personnes qui sont animées par la peur, la haine, le ressentiment. Et nous, dès l'enfance, nous sommes habitués à ces schémas de pensée basés sur ces croyances qui deviennent une partie de notre existence, une partie de nous-mêmes. Le second facteur est la croyance racine qui a été gravée dans notre subconscient et qui est à l'origine de nos croyances négatives secondaires. Elles conduisent alors à une vie basée sur la peur, par exemple, des peurs existentielles, la peur de vivre, la peur du lendemain. Alors comment pouvons-nous changer? Au fil des ans, Ariane Lev a développé une méthode capable de reprogrammer le subconscient. Cette méthode, comme un laser, pénètre le subconscient et identifie de manière très précise la croyance racine qui nous empêche d'être nous-mêmes et de réaliser notre plein potentiel. C'est une méthode révolutionnaire qui permet un accès direct et rapide aux profondeurs du subconscient et qui touche le point dans le cerveau qui est à la base de toutes nos croyances négatives. Nous le libérons alors et le reprogrammons. C'est aujourd'hui possible grâce à la méthode d'Ariane Lev. Alors envoyez-nous un email et appelez-nous maintenant et faites le premier pas vers votre nouvelle vie.